Bonjour, je suis le docteur Benboueli Djennet, je suis chirurgien maxillofacial et aujourd'hui je viens vous parler de l'technique nouvelle de l'Ifrit al-Jazair, le lipocube. Le lipofilling, c'est qu'il dit la personne, la patiente ou le patient, ils comblent les rides de tahom, les creux, les jaunes à l'âge, le vieillissement de la face, avec leur propre graisse. Mais ils bougent déjà, ils se naillent, qui mal acide hyaluronique, ou l'un d'eux a marad mousmina, des maladies auto-immunes, mais ils redroussent, ils c'est contre-indiqué chez eux. Donc, ils m'amrolomètent donc les creux, les vides et les rides avec leur propre graisse. Le patient, il dit le cabinet pour une consultation, je chauffe l'âge de la patiente à peu près, est-ce qu'elle a besoin les rides, est-ce qu'il y a beaucoup de creux, je n'arrive pas quelle est la quantité de graisse par liposuction. C'est une petite chirurgie sous anesthésie locale. Généralement, on enlève au niveau des hanches une petite liposuction avec deux ou la trois seringues. On va nous faire une technique jadida, le lipocube. On s'offre la graisse. On déroule la graisse les chevilles pour nous amener les pommettes, les sillons, le contour, le visage. C'est à tout âge. C'est pour les millénials avant 30 ans. On déroule le nanofat. C'est-à-dire c'est le traitement de la peau pour rebooster la peau, le métabolisme, la multiplication cellulaire de votre propre corps. C'est pour le coup d'éclat, pour que la peau soit jeune, hydratée, pour qu'elle reste nickel. À partir de la quarantaine, qui ben l'affaissement du visage ou les rides beno, c'est le lipofilling, n'amro avec du microfat. C'est à partir de la quarantaine. Il n'y a pas de risque, c'est sous anesthésie locale. Les conditions de clinique avec une asepsie totale, on suit la patiente les semaines qui suivent. Des fois, il y a des asymétries, on les corrige tout de suite. Mais il n'y a aucun effet secondaire. Hezbou le temps, les nerfs d'offrir les cellules graisseuses. Le temps de liposuction, c'est le premier temps. On bat 3 semaines, nous aurons le lipocube, je ne sais pas. On a un déroule, il faut compter dans les 3 heures. Le résultat est parfait. Toutes les patientes et tous les patients sont très satisfaits. Et ce qui est bien et avantageux, c'est que ça arrive même jusqu'à 5-8 ans. Contrairement, les produits de comblement, les ça dépend des zones, 8 mois, 12 mois, 18 mois. Pour le moment, en Algérie, on reçoit plus de femmes. Mais les hommes, les bdeux, c'est la même chose que les femmes, c'est la même demande. Et le rajeunissement, je fais donc personne ne veut vieillir, tout le monde veut rester beau, rester jeune. Donc la science et la médecine avancent, mais c'est beau à chaque fois technique jadida. C'est vrai qu'avant qu'on ait le lipofilling, nous avec la liposuction la graisse, mais on dirait par décantation, je suis à l'aspect bousselé, je suis un peu gondolé. Avec le lipocube, c'est parfait, c'est naturel, c'est ce que les patientes recherchent maintenant. Ils aiment quelque de bio, quelque chose tabiyal, c'est leurs propres cellules, ou l'effet sur les bains, tu vois que le kia qui est mléha, les traits reposés, le teint lumineux, les pores hydrolaux, les cernes foncées rojo. Il faut que la chirurgie, la médecine esthétique, il y a deux jours où la patiente, ça passe inaperçu et c'est beau. Maranaj Kimakouna, ça fait 10 ans. Et Terniette, je dédramis, il dort le Jazair. Il y a peut-être des décalages de 6 mois, 8 mois et encore. Dans certains cas, ben en Europe, elle arrive en Algérie. Il y a de plus en plus de médecins esthétiques, de chirurgiens esthétiques et la demande, elle est là. L'Ouedjibterna. Et notre mission, c'est de bien accompagner le malade, de bien lui poser l'indication où je l'aime et bien sûr de maîtriser la technique. Je suis le résultat parfait où le malade est satisfait ou heureux.